la police t'a annoncé yo reprendre contrôle quartier Soulino avec zone qui environne yo. Moi c'est passé 24 heures après institution la police t'a fin fait une annonce comme ça. Bandi yo t'a pral démenti force l'audio. Hier après-midi, nèg yo retourné au niveau de Soulino, yo refrappé pour la plus belle guerrier du seul Ronald des hommes. Moi parlé avec plusieurs résidents, plusieurs riverains. Devle connaître ça qui passait puisque force l'audio était quand même décrété la permanence pour voir comment yo était capable de repousser bandi yo, comment yo était capable empêcher bandi yo réaliser rêve qui c'est prend contrôle Soulino dans tout compartiment à toute l'autre zone qui a voisiné lieu. Et puis m'tendé que nèg yo retourné et les m'a fait compilation ensemble de informations qui rivé joindre moi yo ou dans les hommes guerriers du seul, moi vinn conclu te gagner un petit relâchement hein bon côté force qui était déployée au niveau de Soulino pour te battre avec bandio. Et à ce qu'il paraît relâchement est fait dans premièrement journée hier. Maintenant qui ça qui expliquer relâchement ça m'a forcément gagner un élément de réponse. Cependant, pour que vous compreniez bien, vous êtes capable de imaginer ça. C'est comme si on monde cap veillé un objet pour monde va venir prendre et puis monde cap venir prendre la veille tout. Moi petit cabiche en fait puisque la veille ou la contrôler et puis il fait va, il prend l'aller ou même distance pour passer maintenant géo pour regarder côté objet à passer. Il dégaine de disparaître. Et son bail comme ça, qui a passé entre force l'audio, force de sécurité, puisque nous avons gagné des membres de la PNH et des forces armées, avec Bandio. Comme Bandio, même yo déterminé, il ne jure que par prendre contrôle, si vous voulez, Soulino, avec toute l'autre zone qui environne lieu. Et bien, il a veillé la police. À chaque fois, il prend pause, il replie. Moins de petits modélages, la police fait. Moins de petits négligences, la police fait. Il profite de lui. Et puis, il varie. Et de fait, c'est ça qui explique le retour de lui. Hier après-midi, par rapport à tout ça, nous joignons comme élément de formation Ronald des hommes. Mm-hmm. Et j'en ai dit hier matin, les nègres retourné, ils n'ont pas retourné en enfant de cœur. Donc c'est avec même mode opératoire, il a tiré dans toutes les directions, il a metté du feu dans caille, etc. Et jusqu'à 5-6 heures, nous avons gagné des échanges via WhatsApp avec des monde qui habitaient pas trop loin Soulino, qui a non seulement fait m'entendre de son gros rafales armes automatiques, mais également qui a partagé avec moi des images côté qui gagne la fumée qui a sorti. Soulino, c'est la preuve, gagne des bagages qui a boulé. Est-ce que c'est caille ou pas? Ou bien est-ce que nèg yo a ajouté sous quantité caille? Yo était déjà commencé bouler depuis le 17 octobre jusqu'à week-end là. On ne sait pas. Mais ça que certain bah la té mangomé hier au niveau de Soulino encore une fois, ça qui était provoqué en pile panique bon côté population hein. En pile monde qui était à faire réticence. Qui était pensé que avec l'arrivée des forces de l'ordre donc yo karité le Soulino toujours hier était obligé courir craser qui dit ça mais panique là té bon côté moun qui pas habité Soulino mais qui habité dans zone avoisinante yo tout parce que moun sa yo dit tête yo si nèg yo ka retourner encore donc yo pas jamais connaît yo ka réussi prendre Soulino. Et si yo réussi prend Soulino, yo pas épanier. Et là m'a parlé de monde qui habitait dans zone Nazon par exemple. M'a parlé là de monde qui habitait dans série de rue qui croisait
avenue Poupard et la Lue, n'a pas parlé de monde qui est au niveau de Christois, n'a pas parlé de monde qui est au niveau de Delma 30, etc. Mounzao était quand même paniqué. Hier après-midi, il y a une particularité qui était gagnée dans fin journée, c'est que en plus de coups de balle qui t'a acheté dans zone Zao dans cette cité là, notamment dans Solino, mais tension a été montée deux crans tout dans série de l'autre zone qui pas trop loin Solino, qui pas trop loin avenue Poupard. Par exemple, nous citer la Lue, nous citer Nazo, nous citer Delma 30, nous citer Christois. Et hier, n'importe qui est-ce qui était dans la rue, notamment au niveau de la Lue, il était facilement ouais bon bagaille qui pas clair. Presque non badgé, non clin d'œil, la rue a été chargée à Gaoujou Kaboulé. Barricade un peu partout dans différents artères qui ont rapport avec zone nous sous cité là yo. Ou senti comme si on marché pressé, moun qui était dans la rue a make sure pour courir rentrer. Moun qui était non série de zone a fait paquet yo pour aller ça ou pas connait dans qui direction yo pour aller. Comme ça tout il y a des moun tout qui pas concerné véritablement par attaque bandi yo, mais qui dit tête yo à n'importe moment si bandi yo rivé passer sur l'île arrivé sur yo même tout était paniqué, yo était prend la rue. Et en pile là yo pas hésiter et mettez caoutchouc, mettez barricade dans plusieurs zones qui viennent faire une gros panique hier après-midi ou bien en fin journée hier là dans Port-au-Prince, dans région métropolitaine, notamment dans zone ça yo n'a parlé là et panique là était tellement haut, il était arrivé jusqu'à Delma 32, Delma 40, etc. Maintenant, est-ce que ça t'est gagné dans la rue jusqu'à hier soir du très tard? C'est des monde qui t'a exprimé révolte yo, qui t'a exprimé ras-le-bol yo par rapport à comportement autorité ou dans l'état face à nouvelle attaque coordonnée ou bien nouvelle assaut bandi yo? On ne sait pas. Est-ce que c'est des résidents qui ont anticipé, je ne dis pas le pour si bandi ta gen intention pour étendre tentacule sur de l'autre zone après Solino, yo tout mettez des barricades etc. pour empêcher bandi yo arriver très facilement? On ne sait pas. Ou bien est-ce que tout simplement c'est l'avènement de nouvel épisode de pays là? Nous baronnons puisque nous baronnons comment journée et mardi après le passé, de quoi seront faites les prochaines heures. Au niveau de tabac, situation pas trop différente de ce qui a passé pendant le week-end. Tabac 27 notamment. Bandi a fait bal chanter tant que pipirite. C'est vrai, gagner des efforts, beaucoup d'efforts sur l'audio, pour essayer d'être capable de prendre contrôle de la situation, mais nous efforts qu'il reprenne contrôle de. Sinon, il y a une bataille toujours. Donc, est-ce qu'il est capable de résister? Si oui, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça a passé, ni pendant le week-end, notamment dimanche soir, pour arriver jusqu'à hier ou lundi, donc vous sentez une certaine détermination pour côté criminel pour cimer la trouble en la commune Tabar. Il y a noté pour la République, madame, monsieur. Je n'ai pas dit ça au fricot, Tabar, ça n'a pas parlé là, c'est côté qui est censé loger pour mon arrondissement. Et si vous avez sorti dans votre aéroport et puis vous avez pris la direction Claircine, lors fin quitter zone douane porte ou fin quitter UHM ou quitter zone côté qui gagnait Busis Cargo et pour descendre Claircine sur la main gauche premier se rejoindre ou joindre base mission multinationale là qui dit bonjour. Un peu après ou joindre la direction centrale de la police judiciaire. Après DCPJ on croit gagner la direction générale la police. De la police nationale d'Haïti. Après, on joue une SWAT. Et après, on joue une base la mer, c'est base aviation, la mer, etc. Donc, c'est la preuve. Tabar, ça n'a pas l'air là. Qui menace, ou bien qui sous menace, nèga examio, li gagne principale force sur lui là. Donc, est-ce que nèga, les m'a parlé de nèga, soutenant force pas nous, pour arriver dans mission multinationale là. Bon, nous pas dit qu'il y a encore parce que il y a de l'autre
côté gens qui viennent petit qu'on lieu vous comprenez qui a ajouté sous Kenya yo. Donc pour arriver dans Kenya yo, donc est-ce que il y a bien capacité pour quitter bandi yo faire ça ouvrir au niveau du tabac et sinon base nèg yo côté nèg yo gagne toute ressource on suppose côté gagne tout matériel yo on a les hommes yeah. Yo pas arrivé mettre bandi yo en déroute. Donc on se demande est-ce que qu'il arriver faire dans l'autre zone qui pas forcément des côtés qui ont des bases, yeah. Soit l'armée ou bien la police. Yeah. Mais jusqu'à présent, la résistance est de taille. Est-ce qu'il y a capable de kembe? C'est la grande question. Ou bien est-ce que Bandi arrive en côté, il est affaibli et qu'il a fait bac? Ou bien tout carrément, la police a peut arriver faire ça, le doit faire pour stopper yo. Nous ne parlons pas. Mais ça, c'est un balade, c'est un meilleur tout. Et il y a plusieurs monde qui prend balle. Guerrier, tu as partagé avec moi là en image. Ou des bon citoyen qui prend un balle dans poignette et cetera ou des balles là rentrer tabac 27 tabac 27 ya pas dans la pas de tout ça un phénomène qu'on y a là où les balles marron ça veut des balles marron ça veut dire ou il doit pas forcément habiter dans quartier côté nèg va attaquer et pour ou chita la caillou ou pas dans la rue ou il doit coucher sous cabanon avec petit ou avec madame ou même. Ou bien si son fille avec Mario. Ou il doit coucher pour quoi. Et puis c'est gado, gade, ou est balle à percer fenêtre là, la rentrer. Et c'est tellement vrai. Nous sommes ça qui passait jeudi dernier ou vendredi. Samedi. Jeune dame ça qui prend balle en tête au niveau de. Le Solino? Non, Avenue Poplar. Avenue Poplar, ok. Pendant le tap gade télévision. Ah, oui, oui. Mais il y a de l'autre monde tout qui est victime. De même situation Balma Onza. C'était militaire. Pendant un échange avec Bandio, force l'autre Bandio, pendant gagner Bandio capturé dans toute direction, même si on nous a dit ou pas prendre la rue ou bien ou t'a dit ou pas habiter dans quartier ça ou pas forcément à l'abri ou pas trop loin parce qu'à n'importe moment n'importe balle n'importe qui calibre capable percer gayo capable percer fenêtre tout sur être dans caïtol capable tomber etc. et il fait n'importe qui dégâts. Donc ça veut dire ni moun qui habite dans le quartier côté bandi ou attaqué yo ni moun qui peut-être dans la rue dans moment attaque a fait là ni moun qui habite dans l'autre quartier ou bien qui retourne dans la caillou qui décide pas sortir ou bien qui cache en bagarre ou n'importe l'autre côté yo pas à l'abri yo tout net capable victime à n'importe qui moment de assaut bandi yo. Ça c'est pour la région métropolitaine de Port-au-Prince mais nous connaissons tout. Ça qui t'est passé à Kaye hier après-midi. Et jusqu'à matin, nous parlions avec des mouns au niveau de la commune d'Akaye. Situation n'a pas évolué dans le bon sens. Sinon que jusqu'à présent, mouns à Kaye ensemble avec le peu de policiers qui présent en la commune avaient essayé Kembe, avaient essayé résister. Maintenant, est-ce qu'il y a une capacité pour résister à une série de nègres qui lourdement armés qui sortent dans deux groupes armés différents? Parce que jusqu'à présent, information officielle qui est disponible fait état de bandits qui sautent dans la base ISO dans le village de Dieu, prend la mer. Bandits qui sautent dans la base Jeff au niveau de Canaan, prend la terre et puis ont décidé de mettre à Kayenamita. Ils sont en déa cartouche. Il y a des gens qui sont au niveau de Williamson, qui au niveau de Lully. Qui au niveau de Bercy, qui dit yo, yo pas contre si y a pour elle demain. Bon, y a m'da pas la veille hier. Tellement balap tiré. Gen qui prend risque à bec chou pour yo, si yo ka kou, y prend mon pour yo. Se yo pas connaît qui côté yo pralé, véritablement, qui côté yo ka arrivé. Par contre, vous comprenez. Et m'da pli, on me dit à que m'da fait confiance, qui parle de au moins deux morts sans compter blessé. Qui y a une série attaque ça. Et c'est pour la deuxième fois. Que monsieur Bandio yo même yo attaqué commune Akaye. Est-ce que fois ça y a privé mettez Akaye dans liste de territoire perdu ou bien est-ce que dirigeant ou responsable yo principal force de sécurité yo a fait preuve de capacité face à Bandio et du coup facilité la tâche? On ne sait pas mais nous apprend de gagner des renforts qui était doué rive à Kaye, mais semblait renfort bloqué au niveau de
route la fin qui était Canada pour entrer à Canada. Donc est-ce qu'il arrive tout? Ça nous va connaître. L'autre situation que n'a pas souligné encore, c'est ça qui passait au niveau de Leicester. Leicester, côté des bandits armés à bord d'une motocyclette, décidé l'ouvrir coup de zame sous on l'école. On l'école, mes amis. On l'école, côté Odim, section primaire là, t'es fait fin terminé. Donc, l'école fait fin terminé, Timoun a mec choubi au souti, parents a vint de Timoun, et puis c'est laisse à criminel sans foi ni loi décidé, qui décharge les amis sous l'école là. Et vous parlez de près de deux blessés, et vous parlez de prendre balle. Malheureusement, elle a mouru sous cabane l'hôpital. Donc, heureusement, nous disons heureusement, parce que mon yo bien mouru, bilan n'est pas aussi catastrophique par rapport à la Timoun. On imagine pendant, sans vous mal frère, t'as tiré. Quand c'était Timoun qui était capable en balle, parce que les Timoun étaient débrouillés, ils ont couru dans toute direction. Tout. Et ils ont passé, ils ont passé à tirer, ils n'ont pas campé, ils ont choisi le monde pour tirer. Donc, n'importe qui est la victime. N'importe qui est. Oui, nous dit heureusement parce que bilan est capable de bilou, mais malheureusement pour parents, il est succombé à blessure ça, sous cabane de l'hôpital. Maintenant, nous sommes capables, par rapport avec tout ça, nous avons décrit là, comme situation de 16-17 octobre pour arriver jusqu'à hier soir, poser peut-être nos questions ça. Hein? Qui ça qui expliquait ce réveil brutal des groupes criminels de la coalition Vivre Ensemble? C'est peut-être une question préoccupante. Hein? N'importe qui est ici, tant que l'autre bord de l'eau, qui peut être intéressé à la question pays d'Haïti, capable de dire ça passe, gang yo. Est-ce que l'initiative pour gang yo retourner si mais la terreur en d'un pays a l'ivini de par yo même? Est-ce que c'est gang yo qui décide pour une raison ou bien pour l'autre? Réactiver tête yo ou bien est-ce que gagner des mains ou une main pour des raisons inavouées et inavouables et puis qui décide de dire chaud chaudette n'a met pays à tête en bas n'a met pays à feu à sang. Encore une fois, c'est des questions à poser, nous pas forcément gagner réponse, peut-être les prochains jours capable aider ou éclair. Hier matin, on a des hommes guerriers du seul madame monsieur. La conclusion, si bad bouche nous dégain, nous te disons bagay et nous demandons mon yo pour nous souligner, pour nous souligner. Qui ça nous dit? Nous te dit que jodi, avec cette nouvelle démonstration de force de vivre ensemble, population a doué peur, population a doué inquiété. Nous n'avons pas qu'à mander au monde pour dire nous pas peur, nous pas j'aime peur. Dans la situation, dans cette situation, pendant ce temps, moun yo c'est des moun qui inoffensif, c'est des moun qui adhérent de yo, c'est des civils, c'est des moun qui innocents. Yeah. Nous radio pas peur. Bon, l'autre criminel qui a décidé monter motocyclette et puis lira les amis, décharger le sur l'école qui gen ti moun, bon qui ça ti moun yo ya avo. Donc faut couper. L'autre nèg doit décider le débarquer dans quartier ville tomber tirer à gauche à droite. Il y a de quoi quand même à s'inquiéter. Donc, moi, pas qu'à dire, moi, pas peur. Donc, parce que la pérèse devine automatique. La caille, chaque grand monde qui a vu, vous dites, jeudi, à ces quartiers, ça. Demain, si Dieu veut, il y a un quartier pour là. Jeudi, à ces communes, ça. Ces départements, ça. Mais demain, si Dieu veut, il y a un droit, on l'autre commune, on l'autre département. Jeudi, à ces intel qui victime, c'est intel qui prend balle marron, c'est intel qui tire, c'est si mon intel là. Mon dit, tout, est-ce que, ou à l'abri, il est capable ou même tout? Donc, il y a quand même assez de matière pour ta paix. Mais nous te dit tout, ça paraît provoquer beaucoup plus de peur, si vous voulez, la caille population et la caille nous autres, qui sont tablés en particulier, c'est surtout le comportement de nos autorités, le comportement de nos décideurs, le comportement de nos dirigeants. Parce que, écoutez, des bandits armés, des criminels notoires ont décidé de déclarer la population à la guerre. Donc, il y a des armes, il y a un cocktail Molotov, il y a toute qualité pour faire la population en paix. La population va gagner rien, sans défense. Donc, seul
entité qui là pour défendre population, c'est l'État. Seul groupe qui là pour défendre population, c'est le dirigeant. C'est l'autorité. C'est le chef. Voilà que nous-mêmes qui attendons la situation paraît compliquée et que l'État capable de préoccuper l'autorité pour joindre une meilleure formule, pour entendre, pour qu'on ait qui réponse pour bail. Ils préféré bataille entre eux, tout au moins, ils préféré continuer. Bataille était déjà initiée pour le pouvoir dans un contexte pareil. Je pense que ça doit inquiéter beaucoup plus. C'est comme si ou gagnez ou c'est Timoun ou gagnez un méchant qui a un bon problème qui a un attaque et puis ou alors maman en papa ou. Ok pour dire maman mais qui ça ou a subi etc maman en papa tellement bataille entre eux ils oublient où existait ils ont pas soucié de vous encore et me passer là au cas plus inquiété que méchant qui a un attaque là. Ah, c'est méchant qui a changé l'idée. Vous comprenez ça, M. Zola? Il a décidé de dire le bon va. Il a pris pitié pour vous. Il a dit, comme son monde qui s'en défense, moi, j'ai eu vos côtés conscients, c'est tout seul. Mais maman, à papa, qui te doit soit empêcher méchant ça vient sur vous, ou bien empêcher qu'on continue victime, il n'y a pas même ça tellement occupé dans la bataille entre vous. Parce que ça doit plus préoccuper, ça doit plus inquiéter. Et c'est ce qui arrive dans le cas d'Haïti. Ou gagne un pouvoir qui est constitué de deux têtes. Il y a d'un côté le CPT et de l'autre côté, il y a le gouvernement avec un chef qui est Gary Gony. Situation venue là, Britsoukou, tout le monde met en tête, il a posé question. Il dit, ça qui passe gang là. Ou gagne comme l'impression que même les forces de l'ordre sont dépassées par les événements. Donc, au lieu que Yotaka dit, même si nous n'avons pas vu l'autre, même si nous n'avons pas mangé l'autre, même si intérêt ou pas même, même si il y a divergence, même si il y a désaccord, mais on garde pour nous être capables d'entendre nous, pour nous, qui formule nous qu'à pour nous camper en face ennemi commun, bon, supposé, qui s'est gagné pour nous défendre la population. Maintenant, quand c'est à des adversaires politiques, donc qui partent dans le pouvoir, c'est des gens qui n'ont pas l'élite politique là. Et puis, qui c'est des acteurs avec idéologie différente, yon pas vle l'autre. Le fait que je dis à la, pays a dans situation ça, et que gang yo j'ai frappé là, yo pas fait exception, donc pas gen moun qui vient et puis dans ville là, ou ta capable même dit, acteurs politiques ça, ou des ennemis jurés politiquement, gen nécessité pour que ta mette tête yo ensemble, pour yo dit, mon cher bon, ouais, c'est capable et aider dans la bataille. Fait contre le grand banditisme, contre le phénomène d'insécurité. Voir que je dis, n'a pas parlé de l'État qui t'a doué yon et indivisible. N'a pas parlé de l'État qui t'a doué yon et indivisible. Chaque nègre, chaque groupe décide où y'a là, yon a pris la fait pas yon et ils s'en foutent pas mal de population qui a monté le ciel par dos avec gang yon qui passe suspend commettre des actes criminels matin, midi, soir, dernier jour à yon. Au exemple, hier matin de très tôt, le Premier ministre Gary Gony convoqué un ensemble d'autorités qui vient pour eux avec principale force de sécurité en Nigeria. Objectif contre là, c'est une café ça qui écrit sous contre primature la confiance, c'était évaluer situation hein? Côté Gary Gony bail position ou bien réaffirmer position qui ont pas doué céder aucun autre territoire, surtout ça a récupéré déjà bon. Gagoni qui a parlé, c'est pas moi. Deuxième marala, c'est à rappeler immédiatement plusieurs centaines de policiers et de soldats qui détachaient avec des VIP. Avant de retourner sur objectif rencontre, M. Gagoni là, ou bien avant de garder la décision qui prend, mais parallèlement tout, ou bien peu après, le CPT a réalisé même rencontre là. Presque avec même moun yo. À la seule différence, nous rencontrons M. Gony là, tu as gagné Mme Dominique Dupuis, vous avez devenu ministre de justice d'après photo yo. Mais nous rencontrons CPTA, pas de moun zayo. Mais, si vous regardez ni notre la présidence, si vous regardez ni notre primature là,
Marron, vous comprenez, non? C'est presque le même objectif là, qui c'est évaluer la situation, hein? Garder qui ça stratégiquement disposition au carré. Et puis, du coup, où est-ce que là? Où est comment qu'on a orienté l'action immédiate? Mais quand il y a l'âme d'avoir posé question, est-ce que c'est au courant, Gary Conny, pas au courant que CVTA a gagné pour le rencontrer avec la MEA, avec et la police? Ou bien est-ce que c'est au courant tout, CVTA au courant tout, que Gary Conny lui-même, il te font rencontre dans la tête? Ça dit, chaque affaire a fait pas eux. Ça veut dire, Ramon, ensemble avec Derby et puis tout l'autre monde qui est dedans, au commandement, soit vous l'armée, soit vous la police, vous faites sortir la rencontre Conny là, et puis vous tout traversez dans la ville d'accueil pour aller dans la rencontre avec les six volteurs et puis l'autre conseiller. Pourtant, vous tout la deux, en parlant de deux groupes, pour aller parler même bagaille. Oui. Mais qui ça qui empêche, ou bien qui t'empêche que, vos concertations qui fait, qui dit n'a pas conseillance de travail ensemble, puisque c'est même l'État, c'est même pouvoir, pour nous discuter bah, ensemble, et puis pour nous définir stratégie ensemble, pour nous connaître qui meilleure réponse. Nous cabaye à la situation ça gagne là ou bien pour nous coordonner réponse là parce que c'est même exécutif là et d'après information gagnée le conseil présidentiel n'était même pas au courant que monsieur Conny d'après le fond rencontre le matin. Ça veut dire yo planifier rencontre pas yo un yo pas mettre gars au courant arrive planifier rencontre pas mettre au courant donc c'est ouais c'est la presse qui a parlé etc. mais ça fait l'aide monsieur. Ça fait l'aide. Par contre, vous comprenez. Pour ça, c'est moun sa, ou même, vous te prenez maintenant tête pays. Même. Voilà que nous, même, comme des citoyens paisibles, je le répète, des moun qui sont défense, qui l'a deux bras balancés en face des criminels qui ont mes joues dedans. Seul groupe, nous te ka, nous te ka compter sous lui, c'est l'État. Et puis, nous avons deux groupes même, qui ont bataille. Yo chaque a décidé qui est-ce qui puis chef passe l'autre. Moi me bat dans la situation normale là moi. Moi me bat dans la situation comment vous le commandez la meilleure. Derby guerrier. Vous avez pourquoi? Parce que Gary Conny qui doit bagaille aux gens. OK? Et puis il passe son l'autre ou bien il mandé pour prendre des dispositions. Et puis CPTA ou bagaille aux l'autre gens lui-même et puis même s'il pata aller dans ce sens contraire là non mais il y a des approches qui capable de mettre monsieur l'autre Gary Conny ou bien qui capable de mettre et responsable inconfortable dans difficulté bah là maintenant ça moi comme si pour moi j'étais à Conny Conny dit bon monsieur mais ça ne va le faire ou bien il dit la meilleure mais ça va faire et de fait il y a une décision qui prend parce que le gouvernement annonce pour que yo rapatrier tout policier qui était avec VIP yo. Donc nous va connaître est-ce qu'il y a parlé des anciens VIP ou bien de monde qui là qu'on a qui a pouvoir mais oui il a parlé de policiers et soldats yo il a dit qu'il y a une unité d'élite donc une unité spécialisée yo. Donc Kounian pas gagné dit que c'est ça monsieur CPT au devlé eux même. On comprend. Ou imaginez que on a dit directeur général la police là ou bien on dit lieutenant général la MEA que même pas dans ça pas occupé. Ou même tout ça on pas tarer maintenant dans placer ou non mais là on pas tarer maintenant placer Gerbi guerrier. Parce que, ou ap chita avec M. Conny, probablement qu'on j'en l'ouéba yo, et puis il dit, mais comptez nous aller. Ou ap chita avec Leslie Voltaire, avec Perlio, et Abdou, mais côté yo vla aller, etc. Approche ou gen doit mette M. yo, puisque yo différent, yo gen doit mette M. yo nan tisoulier. Par contre, vous comprenez. La preuve en est bien grande. Avant hier, M. Conny a visité base la MEA, pas vrai? Nous avons vidéo, il fait côté la dîner, est-ce qu'il a avec, est-ce qu'il a avec, ou voilà, si vous ne pouvez pas, c'est un folklore, un folklore, bref. Vous comprenez, côté M. Conny a dit, la mia, est-ce qu'il a avec, ou bien, est-ce qu'il a bagay, est-ce qu'il a compté sur, etc. Bah, ça a dérangé, n'est-ce que c'est parce que pour eux-mêmes, M. Conny n'a pas gagné, autorité ça. Commandement sur la mia. Oui. C'est le président de la République, là. Oui. Yo dit,
ça qu'on y a fait là pas grand rien pour résoudre le problème ça fait pas qu'on y a fait c'est pas politique qu'on y a réglé yo dit tout carrément les universal il violé article 141 constitution etc qui dit c'est président qui c'est chef suprême là mais et moi je dis la République combat là gagné instruction qui passait à commandant l'armée n'a parlé de lieutenant général Derby Guerrier si vous voulez regarder menti moi m'a parlé il dit désormais c'est CPTA qui vous balle l'ordre qui vous balle instruction ah ben moi prendre ça me dit à vous vous allez pas attendre après ça qui passé à moins de jours comme ça que CPTA entend mieux que désormais si chef l'armée a gagné des bah qu'a discuter gagné des dispositions gagné des consignes qu'a prend c'est de la présidence. Donc si là mais a pas déployé c'est CPT. Si le déploie tout c'est CPT. Donc ça fait c'est Koni qui a venu rencontrer l'armée qui prend la base de l'armée qui a demandé l'armée si ou avec qui a dit l'armée en bataille qui a dit l'armée faut que vous fassiez ici. Je dis couper ça sec. Chaque monde prend pas. CPT a pour l'armée. Koni c'est chef CSPN. Koni prend la police. Oui. Parlons de CSPN. Moi très honnêtement, ça c'est position pas moi. Moi je pense c'est son CSPN spécial lui. Monsieur Koni va le faire depuis week-end dans le début ce maintenant. Réunir directeur général de la police, ministre justice et sécurité publique, comme lui-même, lui, c'est ministre intérieur, inspecteur général en chef de la police, etc. Et puis, garder. Non, mais il y a bien plus force si CPTA, ensemble avec Koni, ensemble. Est-ce qu'on veut ouvrir travailler ensemble? Faut si c'est pas une bataille automatique, ou guerrier. Est-ce qu'on veut ouvrir travailler ensemble? Non, mais c'est ça, il y a bien plus force. Si c'est ensemble, vous faites toute démarche ça, yo. Il y a pas besoin ça. Ça a besoin même. Qui ça a besoin? Hier, m'a dit ça et Johnny. M'gère ça me trompé m'dou. M'dit dit que gagne deux administrations en deux d'administration l'État, gagne d'une part administration CPT et puis d'autre part administration Garikoni. Mais pour pays, m'a pas ajouté une troisième administration parce que son c'est regrettable que m'abdil mon gars administration gang yo tout parce que yo imposé loi yo fait nous vivre gens que yo voulez yo gain droit de taxes que yo prélevé sous nous etc. Et m'a regardé une bataille qui a fait dans pays là dans trois niveaux au sous tapis effleuré question Johnny CPT a bataille pour le prendre plus pouvoir pour l'étendre pouvoir. Garikoni a mené même bataille là avec le gouvernement par là pour qu'il prenne plus pouvoir. Mais plus pouvoir, pour faire qui ça, oui? Plus pouvoir, pour faire qui ça? Et puis parallèlement, gang yo même, il y a bataille pour prendre plus de territoire. Elle dit, pendant monsieur sous pouvoir, bataille pour pouvoir, gang yo même, il y a bataille pour espace, il y a prendre territoire, est-ce que vous comprenez? Non, pas moi, Ronald. Je pense que même ça, il y a tout gain même finalité. Il y a plus pouvoir, il y a qu'à voler plus bien. Yo ka gen plus l'argent. Yeah. Bandi yo également, là yo gen plus territoire. Yo gen plus bail nan men yo. Ouais. Oui, c'est même finalité yeah. Ya, oui. Yeah. Ouais, donc, même objectif yo gen. C'est dommage. Trois administrations ça remet ensemble pour casser pays. Maintenant, alors je voulais dire gang et gouvernement qu'on est là ensemble avec CVT avec ensemble. Non, même objectif yo gen. Mais non, c'est allié. Même objectif. Oui. On t'a tacite, on t'a tripartite. Oui. Bon, CVT a lui même avec tout gouvernement. CPT avec gouvernement, non seulement il y a un objectif, il a dit, pour probablement faire plus d'argent dans le moment ça, yeah. Mais préparer pour la prochaine élection. Yeah. Pour capable de mettre le monde dans le poste électif yeah. Et gagner contrôle pays pendant 10-15 ans qui va venir. Yeah.